Attention, ce programme contient une dose de sel, de second degré, de sarcasme, de mauvaise foi et d'insultes nettement supérieures à la normale. Son visionnage requiert une ouverture d'esprit aussi grande que le trou de balle de la mère à 6-4. Ouais! Entrez! Ouais! Hein? Ouais, je suis à la bourre! Ouais? Et alors? Et alors, c'est moi le patron ici. Ah ouais, mais moi, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais, mais vous, soyez ponctuel. Ok? Et moi, j'ai le droit d'être à la bourre. Ouais, bah c'est comme ça. Hein. C'est les nouveaux règlements. Je vais l'afficher là au-dessus de ma porte là. Hein? Si t'es pas content, c'est pareil. Voilà, ouais, non, mais ça sera mon adage. Si t'es pas content, c'est pareil. 6-4 2020. Hein? Ouais. Qui c'est qui m'envoie des messages là? Attends, c'est quoi ces clac-clac là? Mais ça va être le trou du cul de XO ça. Mais il m'envoie des messages, qu'est-ce qu'il a mis? PV, quand t'es ready, on a lancé une game encore, on est sur mon Discord. Mais sur mon Discord, qui dit lui? Mais il a pas de Discord, il a 4 viewers ce trou du cul là. Hein? Le micro est. Ah bon. Hey! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Soulcity Academy? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. Oui, je suis à la bourre, alors rentrez. Alright, I've got to show you guys. I'm being pretty. Okay, and me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Tu vas jouer à Fortnite? Non. Alors, il y a deux choses qui font que je ne jouerai pas à Fortnite. D'une part, j'ai plus 12 ans. D'autre part, j'ai des goûts. Et encore, je me respecte. Alors, je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais voilà, ça fait 3. Ouais, mais je ne sais pas compter. Et quatrièmement... Je sais pas compter. Les gars, regardez si ce qu'il y a, t'as des rides qui apparaissent. Des rides? Où ça? Où ça? Aucune ride. Aucune ride. Alors quand je rigole. Mais ça, c'est sexy. Ça, c'est sexy. Ça, c'est deux coups de bistouri, en fait, que je me suis fait faire. Hein, c'était dans les années... c'était il y a pas longtemps. Pour être encore plus sexy, en fait. Hein. Ah bon, chirurgie. Le front, le melon. Les pattes doigts. Mais oui, mais ça, c'est sexy. Arrêtez! Why you bullying me? C'est pas des rides, c'est des cicatrices de guerre. Non, j'en ai une là. Regardez, un jour, parce que un jour, tu te mets tout nu devant tes amis. Ouais, alors, dans des vestiaires, par exemple, au foot, et tu t'aperçois que tu compares. Tu compares, par exemple, au foot. Et je vais vous faire voir, c'est un truc de ouf. Donc, en fait, t'es au foot entre amis, et forcément, tu rentres dans la douche, et forcément, tu compares. Et qu'est-ce que tu compares? Je vais vous le montrer. Qu'est-ce que tu compares dans la douche? Toujours. La cicatrice de l'appendicite. Toujours. Qui a la plus grosse? C'est toujours ça. Et donc, la mienne a été faite par un boucher. Ah, voilà. Donc, je sais pas si on voit bien, mais la mienne a vraiment été faite par un boucher. Donc, voilà, c'est tout. Je voulais vous faire partager ça parce que vous me demandez est-ce qu'on partage tout. Ben, je vous partage des anecdotes de la life, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que la mienne n'était pas normale de cicatrice et qu'elle était beaucoup plus grosse que les autres. Tac. On part sur Phasmo avec Mary qui vient de se réveiller. Je sais pas s'il flippe dans les jeux d'horreur ou pas. Parce que moi, il me fait moins flipper maintenant, du coup, quand tu connais les mécaniques. Bon, ouais, un peu quand même. Est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il peut se démute? Ce gros fils de... Ok. Et Phasmo, du coup. Et on va bien découvrir comment ça va se passer, hein. De toute façon... Donc, Mary, de manière, va se chier dessus, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Bonjour, vu que c'est une énorme... Ah comment ça va? Oh, super YouTube, ça va bien. Bien, t'as bien dormi toi, dites donc. Super génial, je suis en grande pêche. Pourquoi je t'entends faiblement, de façon pas forte? Bah, clic droit Discord quoi. C'est pas ton système. Hop. Que t'as baissé là. Oh. Ah si, je suis con. Ah. Ah putain, t'es malin. Non, je suis pas malin, je te connais, c'est tout. Ah, t'as vu Game Sense en 2 secondes. En tout cas, j'ai hâte de découvrir. Alors, sache-le. Cher 6-4, je ne connais rien du tout du jeu vidéo. Je ne connais rien du tout du jeu. Ok. Et donc ça va être une découverte intense. Ça va être une découverte totale. Il va falloir m'accompagner, me guider, me dire attention, tu peux faire ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Ferme ta gueule. Stop. Ah, je me casse. Ça va être à peu près ça, je pense, la suite des événements. Ok, donc Mary n'est pas disponible. du coup, on part sur Rainbow Six. Wouh. Le but du jeu, c'est... On est des... C'est un battle royale, on est d'accord. Exactement. Le but du jeu, du coup, on est 100 sur une map. Il faut construire une tour très très vite, jouer au shotgun et voilà. Et après, chialer auprès de ton éditeur pour qu'il investisse 1 million dans l'e-sport pour pouvoir dire qu'on fait de l'e-sport. D'accord. Bah ça me va, moi je suis partant. Toute ressemblance avec un jeu existant ne serait que fortuite. Et on peut pas courir dans le jeu. Non, c'est, tu vas voir, c'est très lent. Okay. Mais donc,
Le but du jeu, c'est juste, on rentre et on essaie de trouver des preuves pour... Enfin, on essaie d'avoir des preuves et de collecter des preuves pour identifier le fantôme. Et dans l'histoire, c'est quoi? On est des Ghostbusters quelque part? Non, parce que les Ghostbusters, ils ont une logique de tuer le fantôme, alors que nous, on le tuera pas en fait. Nous, le but du jeu, c'est de savoir qui il est. On est pacifiste. Nous, on est surtout, on n'a pas de budget en fait. Bon alors, regarde. Ici, t'as une clé là. Prends-la. Ça, c'est la clé de la maison. Elle est toujours là. Pourquoi tu me la montres avec ton nez? Non mais regarde. Tu veux que je te fasse voir un truc de ouf? Regarde bien. Oh la vache! Ah ouais, je sais, c'est impressionnant. Ah ouais. Ah, c'est un angle droit le truc. On parle bien de cette clé. Oui, celle-là. Celle que je montre là. Oui, bien sûr. Oui. Celle-ci. Et d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais ma mère est un Woody Woodpecker. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vas-y, allez, let's go. On prend la clé avec E. Ok. Mais pas avec ta bouche, connard! E! Mais j'appuie, ça prend pas. Mais clique de... Ah mais oui, vise là! Non mais c'est notre touche. Voilà, notre touche. Ok, donc là t'as le stuff là. Ça, je prends... Ok. Moi je prends... Y'a pas une batte de baseball en truc comme ça? Non, tue pas le mec. On va juste... voilà. Prends le lecteur... Attends, je vais... Prends ça. Là, par terre. Ça c'est la caméra. Je t'expliquerai comment okay. Ça marche. C'est moi qui filme. Ouais, alors attends. C'est quoi ça là, la télécommande là? Au-dessus c'est une radio, c'est pour parler au mec, ça s'appelle la Spirit Box. Et en parler fait tu lui parles au mec, parce que regarde là c'est marqué son nom là, elle s'appelle, c'est une meuf, Ruth White. Merde, tu fais tomber la lampe. Ça commence. Bah merde. Ruth White là, tu vois là? Non, attends, je dois avoir un problème dans les touches à mon ami. Ah bah non, je suis con. Non, c'est normal. Elle s'appelle Ruth White. Ouais. Où tu vois? Ah ouais, Ruth White. Vu que le jeu est nul à deux, nous avons décidé d'aller avec des membres du staff. Bon visionnage. C'est quoi le nom de la dame? Je sais plus. Patricia, tu es là? Patricia Anderson. Patricia Anderson, es-tu un fantôme? Commence pas là! Enfin, pas la trigger, ça se trouve ça va pas dans sa life. Bah déjà elle est morte, donc bon déjà dans la life c'est pas ouf quoi. J'étais en bas, j'ai rien vu de percutant. Bah génial. Bah y'avait un marteau pourtant. Palam pam psh. J'ai pas vu il faut chercher quoi là en fait? Il faut chercher un fantôme en fait hein, comme depuis le début de la soirée hein. Ouais d'accord. En bas je suis qu'à 5 degrés. Bah oui c'est ce que j'ai dit, en bas y'a un truc hein. 5 degrés. Patricia, es-tu en vie? Oh, ça a bougé. Pong, pong. 4 degrés. Pong, regarde là, ça bouge tout seul ça. EMF 3. Ok, c'est là. 3 degrés 9. C'est là. Patricia, je le mets sur le sol. Tu es là? 2 degrés 5. Patricia, manifeste-toi. Patricia Anderson écrit sur le livre. Mary, là, regarde là. Ne t'assieds pas sur ce siège. Ça coûte 3000 balles ce truc, ok? D'accord. Merci. Patricia Anderson, nous cherchons à rentrer en contact avec... 0,2. Ok, donc il fait froid, quoi. C'est vrai qu'il... T'es pas en train de aim le frigo... Non, les températures glaciales, on y est. Patricia Anderson, écris quelque chose sur le livre. Ah, elle est là, dans le coin. Oh putain, elle est là, par contre. Coupez les lumières, elle arrive sur moi, cette pute. Pardon, désolé. Alors, j'ai pas de MF. Je ne suis pas inspecteur, mais de par le fait qu'elle se dirige vers nous en rotant et avec une fossile, je pense qu'elle est hostile. Ok, moi je me casse. Je vais lui parler. Patricia, donne-nous un signe. Hey, je suis bloqué. Je suis bloqué. Ouais, mais t'es con. Ouais, mais meurs. Il y a une super photo. Non mais regarde, prends l'appareil photo, il va le mettre dans le camion, il y a une super photo. Elle est là. Elle remonte les escaliers. Elle est là. Eh, mais Patou. Patou, t'as un gros cul quand même. Je suis à 4 mais je monte pas à 5. Ouais ok, faudra rester. Il faudra aller voir l'orbe fantomatique. Il faut qu'on se dépêche, il y a quoi d'autre à regarder? Le MF à la limite, on va le laisser là. J'essaie de checker partout pour les empreintes, j'ai rien. Ok, empreinte rien, il nous faudrait quoi d'autre? Elle va attaquer hein. Elle a écrit sur le bouquin ou pas? Non. Si, elle a écrit sur le bouquin. Nice, parfait, hors fantomatique. Éteins ta lumière. Et l'écriture fantomatique. C'est un démon, messieurs, c'est un démon.
Il faut lui parler et pendant qu'il y en a un qui va lui parler, l'autre tourne l'appareil photo de 30 degrés sur la gauche, s'il vous plaît. J'y vais, j'arrive pour parler. Est-ce que tu peux me dire, Siskel, si l'objectif du crucifix a fonctionné ou pas? Le quoi? Oui, c'est bon. Non, pas du tout. Non, le crucifix, faut lui balancer à la gueule. Ok. Anderson, Pamela, es-tu là? C'est Patricia, pas Pamela. Ah oui. Pamela. Non, bah non. Mary, est-ce que t'as une caméra sur la tête? Oui, affirmatif. Mary, c'est bien que tu me réponds. Oui. Paola, okay. C'est comment c'est jeune? Paola. Patricia. Patricia Anderson. Ta gueule. Patricia Anderson, es-tu là? Patricia. Elle a répondu. Elle est juste là, elle a répondu. Écriture fantôme, Spirit Box in New Ray. Il faut prendre les photos. Le crucifix, ça a pas marché. Envoyez le crucifix. Balance le crucifix. C'est monté à 10. J'ai balancé là où elle était. Ça ne marche pas, il faut y retourner. Ouais, bah deux secondes. T'es marrant, toi. Il pouvait retourner, il nous dit-il tranquille. Bah attends, mais je te dis tout, quoi. Toi, je te dis. Tu me dis rien du tout. Moi, c'est moi qui t'ai demandé de fermer ta gueule. Vas-y, fais-moi marrer. Qu'est-ce qui vient avec moi? Oh, quelle merde, ce mec. Bon, bah, j'arrive. Ah non, mais sérieux. On va pas avoir peur. Jeu de merde. J'arrive, je suis dans l'escalier. Va falloir prendre des photos. Livre, c'est bon, j'ai. Le marteau, je crois qu'il a bougé. Et donc, on est sûr qu'elle a répondu ou pas? Oui, c'est sûr. Ok. Bah du coup, faudra prendre des photos d'elle à la limite. Hein. Mary, c'est dans le camion? Ouais. Mais non, il est à côté de nous, ce couillon, là. Non, il est à côté de nous. Il y a des trucs qui tombent à côté de moi, là. Faut que tu lui balances à la tronche, hein, le truc, hein. Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais ça a pas eu l'air de fonctionner. Elle arrive, on a entendu un bruit. Elle est là. Elle est là, elle est en face de moi, cette pute. Écoute-moi, Pamela. Patricia. Elle peut pas chasser, là, j'ai l'impression, avec le crucifix. C'était pas mal, là. On va aller voir ce que ça donne. Oh là. What? Oui, elle est à côté. Elle peut pas les chasser, vénère, un peu. Elle peut pas chasser, récupère pas le crucifix, elle va attaquer. Pamela Anderson, es-tu là? C'est pas Pamela Anderson. Et tu te fous de ma gueule, quoi? Pour la tirer, la porte, putain. Patricia. Mais niquez-vous. Patricia, montre-toi. Non mais on a gagné, là. On peut pas lui parler, en fait. Hein. Ses problèmes, elle les règle elle-même, en fait. Hein. Vas-y, bah, die, en fait. Attends, mais je récupère le matos, ça coûte cher, hein. Ah mais je peux pas. On s'en fout, on se barre et le matos s'y revient automatiquement. Pamela Anderson, je m'en vais. Ah mais le crucifix ça a pas fonctionné. Mais il faut y aller alors, faut y retourner. Allez, on le fait. Prends-le dans la main, balance-lui à la tronche. Vise le front. Pamela Anderson, manifeste-toi afin que je te balance un crucifix. Pamela Anderson. Il y a un moment donné où on va comprendre que c'est pas Pamela. Patricia, oh ça va. Patoche. Je suis pas sûr. Patricia Anderson. Hein. Patricia Anderson à Merlin Woodhouse. C'est le mec qui faut renvoyer. Il était pas là ce gobelet. Non, c'est moi qui l'ai rien. Il y a un bruit là. Écoute-moi bien, Patricia. Elle a posé une tasse ici, je pense qu'elle veut boire l'apéro. Ouais, j'étais devant elle, hein, je lui montrais. À Pamela. Pour
comprends pas. Eh, bonne chance, Saint-Jean. Test. Mais ça marche plus, mon truc, là. 1, 2, 1, 2. Non, ça fonctionne. Patricia Anderson, hey. Montre tout. Oui, allô, Patricia. Ah, ben, elle est en face de moi, là. Ah oui, je la vois, hein. T'as jeté le truc là, hein? Là, si le crucifix n'a pas fonctionné, j'y comprends plus rien. Je vais balancer sur les gueules. Ah oui, oui. Et ça, c'est pire. Ça a pas marché. Oui, bah, c'est pas ça, bah, on se casse. Elle ira se faire enculer, Pamela. Pamela, on t'emmerde. Allez, Pohang, démarre. En avant, Marcel. Alors, Jamy, quelle était tout cette... le monde a mis, c'est bon? Quelle était cette entité? Ouais, moi j'ai mis que c'était un Yuré. Mais non, c'est un démon. Il faut mettre quoi alors? Température glaciale? Température glaciale, écriture et spirit box. Ouais, c'est ce que j'avais dit, un démon. Allez, c'est parti, Jamy. This is not okay. This needs to stop now. Okay.